Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro, samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le FCC fait une démonstration de force. Africa News en parle. Et puis, vous avez Caméré, ses avocats français privés des visas. Je commencerai d'abord par parler de cela. Et puis, le Némi Mouilania, Chadari tiennent la sonnette d'alarme. Le respect de la Constitution, insécurité, inflation. John Onumbi déclaré déserteur, c'est l'intelligent qui en parle. Prospérité se penche sur la question de Némi Mouilania et Chadari qui tiennent la sonnette d'alarme. Insécurité, inflation et la Constitution. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer par vous dire une chose. Je ne le dis pas souvent, mais je le dis quand même aujourd'hui. Je suis habillé par des jeunes Congolais, des fils et filles Yambo Kanabiso. Monsieur Eddy Naniki, Bamoni émission, Basepeli Nango Balobi, pourquoi ne pas soutenir Christian Bosembe? Et moi donc, j'ai bien aimé, voilà pourquoi je porte aujourd'hui leur chemise. Bilambanyo sona lataka, na beta li solo na ngote, parce que ce sont des choses qu'on achète dans la boutique à Liban. On enrichit les autres. Mais il est temps de consommer congolais. C'est une chemise de très bonne qualité. Il faudrait consommer congolais. Parce qu'en consommant le congolais, il paye les impôts au Congo, il enrichit l'assiette fiscale congolaise et nous, on est bien. Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs. Donc, bateau tout dans la bilo qu'on a bango. Et d'accord pour la bangote. Si vous avez vu qu'on a eu, ou Monique et Torico exposé dans l'émission d'Abisso, ne te dérange pas, viens, on le fera. On a été à Bilamba, on a été à Baveste. Si on a été à Baveste, ce n'est pas le problème. Nous, on a besoin, il y a bateau à créer emploi. Si tu crées l'emploi, je vais t'aider et on fera bien. Alors, nous parlons aussi de. Nous allons répondre les deux à deux ou trois petites questions, essentiellement à bateau. Notre rôle, c'est d'expliquer. De faire comprendre. Il y a sujet mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quand même des problèmes au Bandekouazan Abevenbaye. Le dossier Caméré est un dossier qui a expliqué effectivement le problème est à la niveau Nini. Deuxième chose, il y a un expliqué qu'il y a tweet moko a attribué à M. Bouchab. Il a attribué tweet wana na professeur Bouchab. Je peux vous le dire ici, ça ne peut pas, ce tweet-là, ne peut pas venir na professeur Bouchab. C'est pratiquement impossible que prof Bouchab na auteur naïe a comme tweet ya modèle wana. Et ça le kouta. Donc ce n'est pas prof Bouchab. C'est certainement un monsieur qui n'a pas beaucoup réfléchi, qui a fait son tweet et irresponsable qu'il est,
Et puis moi, je crois même que c'est un peu de la lâcheté de faire attribuer quelqu'un à l'autre qu'on a eu. C'est-à-dire que moi, j'ai un modèle, on dit, mais bon, au plus, c'est faux. D'accord? Ça, je peux vous le dire. Na bengi prof, bochabte, na zupe contact, na été, mais fait en regardant ce qu'il est. Na kota la ba tweet wana, te, et koza yete. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Même attention à quoi il a niveau, et encore comme un niveau, c'est impossible. Que dit le tweet en réalité? Le tweet dit ceci. Le prof Bochab serait en train de dire que ce qui président a voyagé, président Sénat a ça l'intérim. Un peu comme pour dire le quoi le premier ministre a voyagé à qui monsieur Kankon a sali intérim, mais on a le but que cause à la prof Bochab dès. Il ne peut pas dire ça parce que il y a mon gars qui cause à un côté. Et puis le prof Bochab ne peut pas tomber. Mais revenons d'abord à la question de Vital Kamerhe. Nous avons très important. Kanda y a eu deux pèses et comme Sabino, partisan y a FCCT. Kanda y a eu une Félix Tshisekedi et comme il y a Mondimi y a Kabila T. Topé Kanda y a Kabila et comme il y a Mondimi y a Félix Tshisekedi T. Vice versa. Ce n'est pas parce que l'ONG UNCT, mais il faut accabler ma criminion sur Mokili. Non. Ce n'est pas parce que Vital Kamerhe ne te plaît pas ou a été un problème pour Nayo. Il faut que tout le monde soit dans la mabé. Ça, ce n'est plus la logique. L'objectivité. Moi, je me bats pour rester dans l'école. Il y a objectivité. Pas la neutralité. Dans le barreau, toujours, je ne suis pas neutre. Je n'ai jamais été neutre. La neutralité pour moi, c'est une naïveté. C'est une complicité. Comment pouvons-nous être neutres devant le mal? Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Moi, je suis du côté de la vérité. Là où se trouve la vérité, c'est là où nous battons. Il est vrai que c'est difficile quand même de rester du côté de la vérité, mais nous efforçons et outil qu'elle a le côté de la vérité. Donc, moi, le concept qu'il faut, c'est peut-être le concept d'objectivité, mais pas de neutralité. J'entends les gens raconter, parce que les Congolais réfléchissent, bon, pas tous, mais une bonne partie te réfléchissent par procuration. On a entendu quelqu'un a dit, les journalistes doivent être neutres, et tout le monde part comme ça. Moi, je ne suis pas un journaliste neutre, non. Je suis un journaliste qui a des convictions, qui a des positions et je les maintiens, je les assume les unes après les autres. C'est ça ma position à moi. J'ai des convictions que je défends. Et quand je suis en train de faire critique info, je suis en train de donner mon point de vue, ma manière à moi de voir les choses. J'oriente l'information selon que je comprends. Les autres après, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'en est-il du dossier Kamerhe? Monsieur Vital Kamerhe a été arrêté, d'abord interpellé, d'abord suspecté, interpellé, inculpé, entendu, jugé et puis condamné. Donc, étape pré-juridictionnelle, nyonso et salimak, indenge salimak. Ben invité, ben entendre, ben inculpé, ben mémié devant juge, juge a décidé. Tant que tu es commis à niveau à juge, tu es commis à étape, ou bien à étape juridictionnelle. Parce que tu es commis à devant tribunal. Bah, même devant le tribunal a jugé M. Kamerhe qu'il était coupable. Et donc, condamné pour 20 ans de prison. Ferme. 10 ans, il y a inéligibilité. Donc, alors qu'il vote T, qui peut voter T. Parce qu'il s'est passé dans l'entreprise, l'union sociale, l'entreprise publique. Parce qu'il s'est passé là. Parce qu'il s'est passé dans la liberté conditionnelle, parce qu'il s'est passé dans. Ça, c'est les verdicts, il y a premier degré. Mais, que dit la loi? Notre loi, en son article 103, il y a code, il y a procédure pénale, et l'obiboué. Lorsque un inculpé, disons un prévenu ou un condamné, condamné déjà. Ce qui au sali appel wana et dans un effet suspensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ezongeli à zéro.
La peine n'est pas effacée. La peine est suspendue. Nekoto, comprendre ça simple. La peine n'est pas annulée. La peine est suspendue. Tosuki wana. Balobite ke balongoli 20 ans. 20 ans et zakaka. Mais le cola, M. Kamerazo bénéficie d'un double degré de juridiction. À cause de l'appel. Pour que la juridiction supérieure ait étudié jugement, il y a premier juge. Ça veut dire la TGI. Le col la juge, à Tangaki Yango, à Sali Yango, à rendre le jugement, on a vu que M. Kamer va dans la prison pendant 20 ans. Kamer a lobby, t'es dans 20 ans, t'es à poussi, à interjecter appel. Ça veut dire, à l'heure d'appel, on a Sali appel la décision. Alors, c'est en réalité, va annuler décision à premier juge. Si vous avez un comme il y a niveau, il y a appel à 5 liberté provisoire, il y a impossible à 5 liberté provisoire. Il y a coquille 5 liberté provisoire. Il est dans ses droits de demander liberté provisoire. Parce que il y a une case de départ comme s'il n'y avait eu aucun jugement. Monsieur Vital Kamerhe a zongi comme s'il n'y avait eu aucun jugement dans le passé. Dans la minute, il a le droit de demander liberté provisoire là, convenablement. C'est ce qu'il a fait. Or, si la loi prévoit une possibilité, il y a que 5 liberté provisoire, donc la loi prévoit aussi une possibilité d'accorder une liberté provisoire. Ce qui fait qu'on peut accorder à M. Vital Kamerhe sa liberté provisoire parce qu'il est en droit. Il y a que 5 liberté comme citoyen congolais. Mais que dit la loi encore une fois? En vertu, il y a l'article 45-47, il y a même code, va le wibouye. Ndeko Vital Kamerhe a tikali na état oyo appelle coutier. L'état où appelle coutier, ça veut dire l'état dans la. Il est en prison. Et tu coutier dans l'état wana. Ça ne veut pas dire que le col osali appelle au longo dans la prison. T'es. Osali appelle et vengeli à zéro. Mais vous restez dans l'état où l'appel vous a trouvé. État wana, c'est ça que a tikali na prison. A interjecté appel quand même. Le juge ou a yéfiko à côté là. Est-ce que le juge de Bosso a tenu compte dans boy, na boy, na boy, na boy? Ok, a tenu compte dans boy. Ok. Mais ce qui est, il faut dire aux Congolais, Bako qui a sanctionné Vital Kamerhe au-delà de 20 ans, il est sous terre, il est possible. Ce qui va se passer au niveau de la cour, et vous allez soit confirmer peine, soit réduire peine, soit annuler peine. Il y a trois éléments. En cas d'annulation, M. Vital Kamerhe est acquitté. Et c'est possible. On peut l'acquitter. Ceux qui se rendent compte que le jugement est à premier degré et va entacher n'a pas irrégularité et belé. Ba koki ko attaquer en gros, na niveau ya cour d'appel et si liwana. Ceux qui peuvent rater, on a beaucoup de langue la cassation. De la même manière, ceux qui peuvent, parce que le parquet est lundi, non? Le parquet a TGI, bango, badaki, bango, badaki, bakisateur. Ba kolanda dossier l'icolo. Bakolanda dossier l'icolo n'a parqué avec équivalent en gros. À partir du moment où ceux qui va acquitter le procureur, il n'y a pas le bas, non, mais on dit qu'un dossier va quitter Boété. Tant que le bas quitter Boété, il n'y a pas interjecté à qui la cassation. Lorsqu'il va aller suivre le dossier au niveau de cassation, M. Vital se trouve encore en prison. Donc il n'y a pas rebéné. Alors ça, la même chose. Il reste en prison, on va en cassation pour le retard, effectivement, ceux qui vont rendre jugement dans Nénénéné. Donc voilà un peu la gymnastique. Il y a loi na biso na bandeli ko expliquer bandeli pour on va comprendre calmement tout s'embrouillé na lobi boy. Vital Kamerhe aza citoyen congolais. Vital Kamerhe a sali makambo au juge akanisi ki aibaki disons avec qui concerné na makambo eliki ba détournement ba blanchiment ba kambebele bele wana. Vital Kamerhe va finalement faire la prison pour 20 ans. Vital Kamerhe aza na droit ya ko sala appel ya ngona ke likolo ya appel wa benga ngo cour d'appel. C'est pourquoi il fait un appel au niveau de la cour. Pourquoi il fallait appel dans la cour? Parce que c'est là qu'il jugeait dans la TGI. Tribunal, il y a grande instance. Parce que Vital Kamerhe a un privilège à juridiction T. Donc, il a bénéficié d'un double degré de juridiction. Il a un double degré. Donc, la minute a épuisé, disons, a fait appel. Alors, au niveau de l'appel, ce qui va condamner, soit va annuler, soit va réduire, soit va confirmer. Alors, ce qui est dans l'hypothèse, il va annuler. Ce qui va annuler peine. Le parquet peut dire non, non, mais c'est un petit kangou boitin. Pourquoi va annuler peine alors que le premier juge a décidé qui bien
parquet et qu'on a dans la cour de cassation pour ne pas qu'il y ait de quoi annuler des sujets de la cour d'appel. Oh, bah, annuler peine, il y a première, juridiction. Mathématiques, Ninyangouana. Mais ce qui va réduire peine, le parquet peut dire, bon, de toute façon, bah, réduire peut-être 5 ans, au lieu de 20 ans, bah, PC Kamir est 15 ans. Ou bien au lieu de 20 ans, bah, PC est 10 ans. Parce que le but hein, de la peine, et de la rapport Nebo Mamoutouté, le but de la peine, de la rapport, c'est de corriger Moutou. Donc, Moutoura Vital Kamir est déjà parti par rapport à son âge, à bénéficier de la circonstance atténuante. Bon, ça dépend, c'est relatif. Bah, Kota, là, bon, il a déjà 60 ans. Est-ce qu'il va condamner 20 ans? Est-ce qu'il va perdre toute la vie? Est-ce qu'il a restitué l'argent? Tout ça, on va étudier. Et le juge d'appel peut dire, bon, en âme et conscience, jugement libre, c'est qui sévère. Pas faux, mais sévère. Bisson, au niveau d'appel, de l'on lié 5 ans. Alors, ça, là, 15 ans. De l'on lié, disons, bah, qu'on maintenir 10 ans, à voter, terre, à ça, la magabouté, parce que là, c'est la loi qui le dit, à voter, terre, bah, voter, payer, mais bon, on comprend, on va dire, bon, tout peut ça être 12 ans, tout peut ça être 15 ans, tout peut ça être 17 ans. Ou alors la cour peut dire non, non, tu gardes la 20. Ah, tu as 20 ans. Monsieur, la somme était la 20, ne coûte pas mal, oh, il y a acharnement, il y a ligne à voter, il y a pays à voter, il y a qui la cassation. La cassation, il y a le jugement, il y a historique, il y a jugement. Et il y a qui n'est pas ligne. Ce qui m'a dit que oh, c'est bon, ce président m'a même cassé mes décisions. Donc, problème est dans un niveau wana. Alors, si on a un autre aspect, il y a dossier. Et là, il y a avocat, il y a l'État, il va continuer comme ça la moussa la bango. Malheureusement, le maître Kalouba a causé la soute. Maître Kalouba a commis juge. Donc, il ne peut plus être avocat. Voilà pourquoi moi j'avais estimé, ben, la politique a ses raisons, moi j'avais estimé. Qu'on n'aurait pas dû, comme ça, M. Kalouba, directement membre de la Cour constitutionnelle, avant de procéder aussi là. Si on estime qu'il était bon en tant qu'avocat. Parce qu'en tant qu'avocat, je crois qu'il était bon. Bah, tout le monde a dit qui bien. Mais on n'aura plus le juge Kalouba comme avocat de la République. Certainement, la République a beaucoup d'autres avocats pertinents aussi, qui sait. Peut-être mieux que prof Kalouba. Maître Koro Kayou dit. Qui est là, qui lui aussi a fait très mal, à Zawana, va bah, continuer. Donc il y aura encore une autre composition, bah, avocat, il y a parquet, disons, il y a l'État, au Bakoki Kolanda, la cour d'appel. Mais attendez, ils peuvent ne pas aller. Parce que Bango a eu déjà condamnation. Ils peuvent ne pas aller. Là, l'affaire peut rester entre les mains, il y a parquet. À quoi ça y est? Ou alors, ceux qui vont accompagner, bon, qui ne vont pas accompagner. Mais maintenant, la composition de la cour d'appel nouvellement installée est Gozala Nengenin. Tu as même le cas que tu risques de tomber dans la même chose pour un juge de la TGI. Le malheur, et ça c'est une culture judiciaire, et les grands mignes dans le barreau. Le malheur d'un prévenu, c'est d'être devant un juge nommé. Ceux qui ont nommé récemment un juge, rapport américain, français, tout le monde va vous dire que les juges qui viennent d'être nommés nouvellement dans la fonction, au moins sans affaire, au moins, bah, faire au moins 100, on va dire ça comme ça. Bah, faire au moins 100. Oh, les kaka, nababou, nabou, nabango, bah, traitakango, toujours avec beaucoup, beaucoup de sévérité. C'est ça le plus grand malheur. Un prévenu, c'est pas là que, juge, okuta, juge, moura, kala, zarane, on a déjà kala, c'est bon. Mais quand on tombe dans le dossier, un jugement, on va dire qu'on nomme Siko, et dans la nengenini, à quoi ça, la moussa, la naïwana, avec tout son cœur, on va dire. Avec tout son cœur, avec toute son âme. Parce que, bah, au côté, en fonction, bah, premier jugement, wana. Est-ce que vous comprenez par là ce que je veux dire? Or, au niveau de la cour d'appel, il y a un nouveau, un juge, bah, tu connais, bah, donc, ça dérange, pas ça me dérange, mais ça me donne une image, il y a. Qu'est-ce qui peut venir après? Mes frères, je ne le dis pas en tant que, en termes politiques, Nazolo Baté qui va agir en fonction de Nazolo Baté qui va avoir la culture, c'est comme ça. Ata Yopé, ceux qui va nommer yo, talaga que bon, on prend un exemple. Na école, va surveiller, c'est normal, c'est naturel. Sora bandi Moussala, ba première année à Moutazara, toujours Kabongo. Sévère, c'est comme ça. Dans le malheur, il y a Batouza, on va tomber là-bas. Juge, on va nommer récemment, c'est le plus grand malheur parce qu'il travaille avec. Je veux dire, tous les sérieux possibles. Mais il y a des petits aspects où on va négliger. Ils sont très sévères et ça peut faire mal. Mais maintenant, lorsque Vital Kamer va saisir la Cour constitutionnelle, par exemple, pour une inconstitutionnalité quelconque, va récuser docteur, va récuser professeur Kalouba.
Parce que professeur Kalouba a été avocat, il y en a affaire, Rwanda, a eu au siégé place en athée. Donc le prof Kalouba te met dans une situation de recusabilité. Voilà. C'est peut-être ça la tournure de la question, et c'est pas compliqué. Attendons voir, Vital Kamerhe Senghi, liberté provisoire, attendons voir. Ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est normal, il y a une disposition et la loi. Il faut tout de la vraie, même quand ça ne plaît pas, même quand ça ne vous arrange pas, ou quand ça vous arrange, c'est ça la vérité. Ce que je trouve impossible pour l'instant, c'est l'acquittement de Vital Kamerhe. Il y a un moi, un pratique. En fait, bon, il n'y a pas d'impossible endroit, mais. Nous avons un impossible. Pourquoi? Parce que là, ce que tangi, n'importe qui a ça le droit, ce que tangi, jugement, il y a premier degré. Il est tellement motivé que et on aura du mal à que peut-être peine qui t'a mouqué, oui, mais qui va annuler, c'est vraiment compliqué côté wana. Peut-être faudrait en parler comme ça pour demander qu'on a bicho, basolan a bicho. Deuxième dossier, c'est le dossier il y a professeur Boshab. Je rappelle que le prof Boshab n'a pas dit ça. Je serais étonné. Et voilà, et yon ta kolobang. Parce qu'il y a kolobang. Bande koboti kakoyoka babiyoka yoka. Les réseaux sociaux na Congo est vraiment compliqué. On a trois. Dans ça, qui d'articles encore sur la typologie du cerveau congolais. Dans le baguette, on a trois types. Toi, on a basso, bah idiot, on a une autre catégorie que j'ai certainement oublié. Bah congolais belé. Bazou, les réseaux sociaux, le quoi moyen à Bangoua Koyako s'exprimer. C'est des gens qui ne pouvaient même pas parler en public. C'est des gens qui ne pouvaient même pas tenir un débat. C'est des gens qui ne pouvaient même pas réfléchir. Non. Aujourd'hui, ils se cachent derrière les réseaux sociaux pour pondre des réflexions. Oh, Bangoua Moura dit que Bangoua consommer un côté. Et ils utilisent des prêtres. Non. Bazou, tu le disais, combo, il y a parce que Bangoua qui a voulu consommer un côté. T'as là, tu es bien à Facebook, les noms qu'ils utilisent, comme on a Bangoua. C'est des gens qui ont du mal à assumer leur position. Ils font les histoires dans les réseaux sociaux. Au moment où il est juriste dans les réseaux sociaux, caca. Il ne peut pas s'exprimer qu'il va tout au Kaebo. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas participer à un débat. Parce que lui, sa mentalité, il est prêt à porter. Oh, bah, lobby, n'aïoki. Non, ils réfléchissent par procuration. Ceux qui montent au lobby, il n'est pas vu à lobby. Donc, on a comme ça des gens comme ça qui. Hein, et puis, ils veulent faire des débats. Au moins, tout le monde a dit à corriger pour Mbata. Il corrige le prof Mbata. Un monsieur qui, donc, au Talib, place Zazali, au Talib, il ne comprend rien du tout. Il n'a pas fait le droit, encore moins le droit constitutionnel, mais il va quand même donner des remarques. Non, prof Mbata, Koto Okosi. C'est quelqu'un, un peu comme quelqu'un qui n'a même pas fait les mines, il va dire non, Ngoyemouchi, il a un rapport, non, Okosi. C'est comme quelqu'un qui n'a même pas fait la médecine, mais il va quand même dire au docteur Mouyembe, docteur Mouyembe, ce protocole-là, je n'ai pas aimé. Non, docteur tel, ce protocole-là, la ligne en côté. Sur base de quoi le lingui protocole, il y a Jérôme Mouniangite. On m'a dit Congolais va bongo, en fait. Et ce sont eux qui ramassent, qui racontent des choses dans la TV, dans les réseaux sociaux. Et puis, on a encore une autre maladie. Et dans la maladie, on a un analyste politique dans le Congo. On a dit quelqu'un, il est analyste de la société. Ah, la société, quelqu'un peut analyser la société. Mais la société elle-même a beaucoup d'éléments. Vous allez être analyste de tout, mais de rien à la fin. Analyste politique, yo. Analyste religieux, yo. Analyste économique, yo. Analyste dossier, yo, c'est yo. Non, vous n'êtes pas analyste. Être observateur et analyste, ce sont deux choses différentes. Un observateur, quelqu'un qui voit, qui fait une lecture simple. Être analyste, c'est quelqu'un qui a des connaissances approfondies sur une question. À partir de quand, comme Moutoutou, comme analyste, c'est la faiblesse de ce que nous sommes, malheureusement. On ne peut pas former quand on n'est pas informé. Avant de former les gens, il faut d'abord s'informer. C'est ce que nous faisons. On nous qui ma disposition, on ne peut pas s'en foutre. On a mine, on a bateau, on a bengaka. On a un vieux, on a un mine, on a il te donne des éléments. Et tu viens le dire sous réserve, na bango. Mais on a tout ça, on a autoproclamé, qui ramasse des choses et qui vient le dire. Ndeko, on a un peu. Le président du Sénat a coquille quoi assurer intérim y a président T. Kakanao constitution à l'obinaye. Ce n'est pas la même chose. La preuve.
Le président a fait beaucoup de voyages. Bon, c'est le monde des cieux, mon signé procureur, mais président Sénat. Qui remplace le président quand il n'est pas en déplacement, quand il est en déplacement? Qui le remplace? Chers Congolais, il y a des gens qui ont consommé un côté. Notre constitution prévoit deux choses. Ou trois choses. Et donc prévoit l'institution n'est qu'à Bouani, judiciaire Ezali, législative Ezali, exécutif Ezali. Bazo prévoit Yango, trois biloko wana, bazo babenga ba fonction sacrée à Montesquieu, Yango Ezali. Les institutions peuvent se remplacer na ba kamoko extrême ka ya loi au loi et lobby. Ce que tant mutazo le balobi non, ceux qui présent voyager, présent Sénat après l'intérim. Mais il peut y tirer ça où? A outi na ngo watazu yango place ni. Mutaba ngo tourner a zu yango place ni. Et ce qui est bizarre, les intellectuels croient en ça. Avant d'y payer, tu connais la tête, Christian, le bananou et le col, c'est pratiquement impossible. Talandeko, n'atteigne la bino mibeko. Parce que ceux qui m'atteignent la bino, ils vont comprendre peut-être. Voici dans quelles conditions le président du Sénat peut assurer l'intérim. Peut assurer l'intérim. À quand, à quel moment la Constitution répond. Voici ce que la Constitution dit, c'est dans son article 75. Dans son article quoi? 75. La Constitution dit ceci. En cas de vacances. Non, ça dit qu'il faut, lire. En cas de vacances, et pas n'importe quelle vacances. Parce que tu vois, quand tu as dit que président qui est vacances dans Mwanda, c'est que tu as vacances en Mwanda. En cas de vacances, la Constitution prévoit même les motifs des vacances. Définit c'est quoi la vacance. En cas de vacances pour cause de décès. Ici, Félix Tshisekedi doit mourir pour que Tambwe Mwamba fasse l'intérim. En cas de vacances pour cause de décès. En cas de vacances pour cause de démission. Donc, Fatshi doit démissionner avant que Tambwe Mwamba ne vienne. À Koufina nous, ou bien à démissionner, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Mes frères, tout le monde a commis tout un modèle Wana. À partir de quel moment le voyage est un empêchement définitif? Je ne sais comment les Congolais vont faire ça, les Congolais. Parce qu'ils racontent des choses à la télé, je peux vous garantir ici que M. Tambwe Mwamba n'a aucune chance de devenir président de la République tant que le président Félix Tshisekedi sera en vie. Aucune chance. Chance n'a pas 0,0000. On commette banda à la prochaine 1 à souk. Là, il y a 0 belé. Pour la chance, il y a Tambwe Mwamba comme président de la République. Et là, pas si. Il faut Félix Tshisekedi à Koufa, soit à démissionner, ou alors à l'empêcher définitivement. Mais quel est le contenu d'un empêchement définitif? C'est la position de l'impossibilité d'exercer son pouvoir. Une maladie cérébrale, par exemple, une incapacité fonctionnelle, il a moutou. Bon, une arrestation, bakangie, il ne peut plus, une condamnation, oui. Mais pas un voyage. On se dit pas voyager, mais ça peut être ça, beaucoup ça, là, et l'autre côté, bandale, l'autre lobby, parce que la Constitution vous l'interdit. Article 75 de la Constitution. À l'exception, d'ailleurs, même au cas où le président a assouté, a koufi, a bimi, tout ça, na karana, le président Akoya, il ne peut pas qu'on soit prérogative de l'article 78. C'est quoi l'article 78? C'est l'article qui prévoit la nomination du Premier ministre. 81. C'est quoi l'article 81? C'est nommer les ambassadeurs, ainsi de suite. C'est quoi l'article 82? L'article 82, c'est nommer les juges et autre chose. Et puis l'acte Oyo, pour ça, l'ango intérim, président, et Sénat, a occupé aux ordonnances présidentielles T. Il faut qu'on lise beaucoup la loi. Sont provisoirement exercés par le président du Sénat. Provisoirement. On dit provisoirement exercés par le président du Sénat. Je vous lis l'article totalement. En cas de vacances pour cause de décès,
de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81, 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. On ne parle pas d'abord de l'intérim ici. Il est provisoire, il fait le boulot provisoirement. D'accord ? La Constitution n'a pas voulu parler de l'intérim parce que la Constitution connaît c'est quoi l'intérim. Mais maintenant, ici, on parle qu'il va, il va le faire. Intérim de fait à Orsala Yango. Mais maintenant, le problème est là que même Orsala Yango a renommé un magistrat, Orsala Yango a renommé un ambassadeur, Orsala Yango a renommé Premier ministre, et Orsala Yango a aucun que changer gouvernement. Il ne peut rien faire. Il va assurer qu'il va faire courante jusqu'à ce que tu aies la période électorale où il y a 60 jours après. L'article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement. Ce ne sera pas l'Assemblée nationale. Vacance, nous devons constater que l'Assemblée nationale est. Et la Sénat est. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit se rendre compte que oui, en tout cas, le président est décédé. Oui, le premier ministre, disons, le président est empêché définitivement. Il y a eu une condamnation. Bref, tout ça, c'est le gouvernement qui saisit la Cour constitutionnelle. Donc, il y a ma prof Kalouba et à Kourouana. Néa, on va ressaisir. Deuxième alinéa. Le président de la République par intérim. C'est comme sur Onyx. Là, on parle de par intérim. Le président de la République par intérim. Ça veut dire pourquoi intérim? Parce qu'il ne peut pas poser des actes de bah, action à 80, 78, 81, 82. À la veille de l'organisation de l'élection du nouveau président. Non, non. Le président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le président, par exemple, a une crise Mouanamoutou, a béli complètement et qu'il ne peut plus prendre des décisions. Son médecin, finalement, dit qu'il est empêché Namoutou Rossa soit. Il faut que cet empêchement soit déclaré définitif par la Cour constitutionnelle. C'est toute une procédure. Il faut que la Cour déclare qu'effectivement, monsieur est empêché définitivement. Pas par l'initiative de l'Assemblée nationale, hein. Pas par l'initiative du Sénat, c'est le gouvernement. Mes frères, tout en loi. L'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante. 60 jours au moins et 90 jours au plus. Après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, c'est de peut être prolongé de 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Ndeko, même à Taawa, le président du Sénat ne peut toujours pas faire beaucoup de choses. Donc, et puis le président élu commence son boulot. Mes frères, donc, soyez sans crainte, tant que vous avez le bas, oh non, président du Sénat, non. Et là, moi, qui zungu zungu, ils ont tellement mal, ils ont accueilli le pouvoir, et qui m'a mis au carabou, vraiment. Le pouvoir nous échappe. Ndeko, Nasuki Sineloko. Nambo Kaobo, si Bomona Bouchnani, monsieur. Kalev Atambola pour la dictature. Monsieur Kalev Atamboli pour la dictature. Mes frères, Nathalie Bouna, Lengi Nabi, mais qui ne peut pas voir Makambozo Kanambokao? Kalev Nabalabala Atamboli pas bi dictature, Zanambok. Dictature. Non, mais. Ndeko Bosso, on va sur ma TV, la radio, ça a plaisir. Aidez-nous vraiment à le faire. On a besoin de vos aides. Aidez-nous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Mais quand tu es un gnosso, il y a un congolais. On dit que tu es un Bio, Barubi, Nzomwe, Yali. Kuba, Paniwa. Barubi, Nzomwe.
Loye mbolo nende ya lisa.